Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 4, la voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Belizère. Un plaisir, une autre fois encore, pour entrer la KO, pour nous présenter un programme dans la langue créole haïtienne, quelques notre grand point cap dominé actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition qui pourrait le faire expérience présidence tout notre là, réuni à Conseil des ministres gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Actualité dans la région Moyen-Orient, Israël exprimé opposition jeudi à devant décision Washington prend pour camper assistance militaire devant menace État hébreu pour mener une grosse opération dans la ville Rafah. Et puis, ici aux États-Unis, manifestation étudiants pro-palestiniens a continué dans quelques campus universitaires. C'est pour ça, yo. Avec l'autre corps, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Actualité à peine d'abord dans le pays d'Haïti, côté que Conseil présidentiel transition qui sous route pour faire une nouvelle expérience, une expérience présidence rotative ou bien tournante. Un bel réuni à Conseil ministre gouvernement démissionnaire pour entre autres reconduire membre Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. C'est une parmi les décisions que vous prenez. Nous avons sous place Yves Manuel. Mandat juge Cour supérieure des comptes à contentieux administratif renouvelé jusqu'à ce que remplacé conformément à la loi. Selon une décision qui a adoptée en Conseil ministre Edgar Leblanc fils présidé à mercredi sous présidence Edgar Leblanc fils gouvernement renouvelé tout état urgence sous pays d'Haïti pour un mois. Pendant Conseil ministre ministre commerce là Ricardin Saint-Jean nommé comme ministre intérieur pour un petit bout de temps. Décision ça fait suite à refi premier ministre à Ian Patrick Boisvert pour assumer responsabilité ça à cause volume travail li gen sou compte li actuellement dans ministère économie et finance. En plus décision ça yo autorité yo renouvelé tout mandat commission nationale marché public yo. Pendant Conseil ministre ça gagne diverses autres décisions qui prend tant que grenoa inondation frappée dans jeu qui saute passé là yo disposition pour faire propter dans certaines zones dans région métropolitaine Port-au-Prince là et puis disposition pour 18 mai cap marqué 221 ans depuis drapeau créé parallèlement conseil yo pas arrivé sien à mercredi en entente sous présidence sonant là avec majorité 5-7 là à cause présence pourquoi elle est là de Smith Augustin dans présidence sonant là nouvelle a tombé gambonnet dans matin jeudi en Frisal Fonjean décidé se déplacer à Smith Augustin qui était voulu porter président sonant là dans CPTA à 5 présidents au lieu de 4 présidents Jean Saté décidé avant. Selon discussion qui en cours dans conseil présidentiel là, Edgar Leblanc fils a dû passer 5 mois dans tête conseil là, ensuite Smith Augustin puis Leslie Voltaire. Mais Gérald Gilles tape gain pour boucler président sonant là. Il capable seul bénéficier d'un mandat 6 mois de gouvernance. N'a pas souligné, dans ça qui concerne le processus de choix premier ministre transition, hein, plusieurs candidats déjà fait des propositions dans le conseil là. D'ici semaine qu'a venu là, conseil là t'a dû, t'en main, analyse, dossier, premier ministre Rabio. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Fon dit que gen pile réaction qui continue à tomber sous conseil présidentiel de transition et gen même courant qui toujours a demandé pour y aller dans cour de cassation. Cependant, gen divers représentants organisations dans Jérémy dans département Grandas qui baille avio sous conseil présidentiel là. Nous gen sous place Mackinson Charles. Depuis après décision, majorité membre dans conseil présidentiel la prend pour mettre Edgar Leblanc fils comme président conseil là. Discussion yo continue dans mi-temps membre conseil yo pour joindre une entente à crise qui gagne dans mi-temps conseil là. Coordonnateur organisation pour changement la vie dans grand danse, Jean-Hérard Monsignac, estime c'est une bataille pour pouvoir qu'a fait en dans conseil là au lieu conseiller yo régler les affaires pays. Moi même constate, pas gain bataille pays à terre, c'est plus bataille pouvoir qui gagne à terre. En tant que monde qui a mené une bataille politique, en tant qu'agent de développement qui a besoin de développement fait en dedans pays, c'est comme ça moi-même, moi, j'ai plus de bataille pour voir que bataille pour résoudre le problème pays. Il loin, M. Monsignac m'a déconseillé de mettre sous côté tout intérêt personnel pour accrocher à l'idée pour capable avancer à pays. La bataille qui a été là, il est supposé vigilant. Si tout le monde est dans le conseil, il est supposé vigilant. Pour mettre bataille pour voir des côtés, mais pour faire tout ça, vous connaissez, pour entendre entre eux. Pendant que vous n'avez pas connu, vous n'êtes ni OPL, vous n'êtes ni Lavalas, vous n'êtes ni Convergence, vous n'êtes ni Makout, vous n'êtes ni PHTK, mais pour vous connaître, vous êtes haïtien, et puis pour vous prendre disposition à l'haïtienne pour résoudre la crise là. Parce que si le conseil là, vous avez essayé de régler, soit vous avez fait là, vous avez fait. Ou après, vous avez vu là, vous avez campé le conseil là, vous avez mis un président, vous avez un premier ministre, vous avez fait des routes,
Et puis qu'on y a là, même je dis en avant. Marie-Mi Duverger, spécialiste dans gouvernance éducative et planification numérique, en même temps consultant dans le réseau Combit Femmes Grandens, estime qu'il n'y a pas respecté quota femmes dans la question du conseil présidentiel là, pendant qu'il demande intégration 50% femmes dans le gouvernement qui prend le monté là et représentation femmes dans tout niveau dans la question politique pays. Je dis, nous recommandons d'exprimer dames, femmes leaders dans la gouvernance pays. Là, nous constatons le conseil présidentiel qui est 9 membres. Nous avons une seule femme pourtant qui n'a pas pris décision. Nous disons comme ça, le conseil gouvernement pour le monter là. Nous demandons aux femmes de participer dans tout niveau. Et il faut que 50% de femmes qui ministrent, nous répétons encore, il faut que 50% de femmes qui ministrent, femmes leaders, nous prennent nous. Pas quitter le passé, nous l'embêtise, pas quitter le piétiner nous. Et choix, nous devons faire dans tout pays. On a dit aux populations de l'Afghanistan, après des temps, qui ça conseille après le fait pour rétablir la sécurité dans le pays, pour une façon pour que nous capables de circuler et entrer dans la capitale pays. Jean Satekonye avant. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. Et puis pendant ce temps correspondant nous, Yves Manuel so di nou, et ben gen plusieurs moun et plusieurs personnalités qui a fait des paupiècios pour yo capable vin tourner premier ministre parmi yo gen Met Iswik Teofin. Nous gen sou place en Port-au-Prince ou dans tout ça. Groupe Moun Sayou fait partie plusieurs instituts organisationnels, parmi eux, Organisation Développement et Intégration Moun Marginalisé et Union Nationale Étudiants en Haïti, qui constituait secteur jeunesse haïtien, qui supportait M. Iswik Teofin, un membre équipe Montana, pour poste Premier ministre, qui t'a dû remplacer officiellement Dr. Ariel Henry, d'après Lens Simonis, coordonnateur général secteur jeunesse haïtien. Nous faisons des propositions et nous avons accusé réception. Nous avons nous là. Côté que vous dites, vous recevez des documents. Nous nous. Donc, nous déposons ensemble de 18 pièces. Nous sommes même, parce que vous êtes bloqué nous pour certificat de nationalité, nous sommes même allés avec carnet scolaire depuis première année jusqu'à philo. Nous allons aller avec procès verbal. De fin d'études, il y a une façon pour ne pas dire mettre au fin pas haïtien. Parce que mettre au fin pourquoi j'aime faire. Même ces domaines, mettre au fin pourquoi aller. Même ces domaines. Même ces domaines, il va. C'est un vrai patriote. Un patriote sensé, un vrai nationaliste. Et nous besoin d'un niveau ça pour aider jeunes, pour charrier, pour aider jeunes, cap courir quitter pays, et puis pour charrier ensemble des revendications populaires. Bon, côté parle, c'est juste Wilkins. Même commission secteur jeunesse haïtien a mandé conseil présidentiel de transition agir vite à processus là pour capable débloquer situation en Haïti. Nous même au niveau secteur jeunesse haïtien, nous dit faut conseil présidentiel de transition ça commencer passer à l'action. Faut qu'on suspende faire dilatoire. Population li pas qu'à supporter encore. Moun ka vivre dans abri provisoire yo pa ka supporter encore. C'est la famine, c'est insécurité alimentaire sous toute forme, c'est question corruption, c'est question chômage côté que gen des jeunes diplômés dans pays qui pa ka fonctionner, c'est question et fuite des valeurs, j'en t'ai dit tout à l'heure, côté que nous gen des valeurs intellectuelles qui obligé quitter pays là. Puis à chercher au mieux être dans le pays Chili, dans le pays Brésil, nous pas qu'à supporter encore. Secteur jeunesse là plaidait en faveur tout, mise en place organe action contrôle gouvernemental là au CAG pour capable éviter gaspillage dans l'argent à bien l'État haïtien. Wena Toussaint pour VOA Creole, Port-au-Prince. Après, toujours dans Port-au-Prince, pour nous parler de justice, plusieurs employés dans le Sénat haïtien manifestés devant prison civile, femmes qui, dans le fort dimanche, pour demander libération secrétaire général institution, Madame Marinelli Verpil-Broyer, Machado Vilme, depuis Port-au-Prince. Selon employé protestataire, Madame Boye pas gagné rien pour dire ouais, dans détournement l'argent et matériel l'État. Finalement, yo dit arrêter Madame là pour corruption, mais qui est hautement négatif. Parce que Madame Boye a engagé le Sénat de la République à partir de mai 2023 à avril 2024. Juge là pour quoi attendre sous
dossier ça. Et c'est madame Boye qui t'a invité ULCC pour venir faire un rapport sous Sénat dans l'ancienne administration qui était passée. Mais nous-mêmes, présentons, c'est région de madame Boye. Menez madame Boye la caille, vous l'avez reposé, vous l'avez remédié semaine prochaine pour le vaquer à l'occupation. Madame Boye, madame corruption. Là, c'est madame qui écrit ULCC. Comment faire ça, l'arrêter? Madame Boye, 11 mois, 9 jours. Madame, je 11 mois 9 jours, monsieur. Et comme si ma porte plainte, et puis tout le monde m'a porte de plainte, comment est-ce que madame, n'a tout lui-même. N'a pas un paquet de machines là-même. Il y a un paquet de poses dans la main. Madame, n'a pas acquise, automatiquement, il faut acquise, madame. Il n'y a pas de problème, voler avec moi. Cependant, avocat qui a défendu madame Boye dans quatre dossiers ici-là, fait qu'on ait apprêté ton avis commissaire gouvernement pour madame Boye capable de quitter prison. Maître Lucien Joly a bail détail. Et nous avons déposé une requête en main levée. Effectivement, le commissaire du gouvernement a rendu une conclusion afin que requête en main levée a agréé. Et le juge d'instruction a rendu une ordonnance et pour pouvoir procéder à la libération de madame Boye. Nous sommes pas devant la prison civile et des femmes d'Adelma et en attendant la libération de la dame Marie Nelly Verville-Boyer soit effectuée convenablement. Ça fait jusqu'à présent là pour libérer. Non, il y avait une erreur dans ordre de mise en liberté. Il y avait une erreur. Nous allons rectifier ça auprès du parquet du Port-au-Prince. N'a pas rappelé juge instructeur Merlin Bellabre t'a ordonné arrestation secrétaire général Sénat haïtien Marine Olivier Pilboyer demain passé après le fin tendel dans cadre enquête ULCC sous quatre débit avec gestion machine dans Sénat. Cependant, dans une vidéo qui a circulé sur réseau, t'a montré madame Boye qui a quitté prison sous applaudissement employé Sénat. Toutefois, avocat secrétaire général Sénat haïtien dit que les liens a prêté à la disposition de la justice. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Vilmé pour faire Wa Créole. Et puis toujours concernant le pays d'Haïti, il y a l'armée américaine qui déclarait hier mardi 8 mai, elle commençait par retirer pour arriver en Haïti, force multinationale que Kenya pral diriger pour contrecarrer activité gang qui lague pays a dans une souffrance économique avec une crise humanitaire grave. Commandement sud États-Unis a coordonné plusieurs vols avions militaires américains qui atterrit dans aéroport international Toussaint Louverture d'après une note pour la presse qui sortit dans la mer. Note là dit tout personnel ça pral travail ensemble avec dirigeants aéroport haïtien yo pour bail sécurité pour équipement avec l'autre matériel qui rive dans pays d'Haïti. Mission ça a vin possible grâce à effort sans arrêter parti concerné haïtien yo qui a cherché kembe aéroport à l'ouvrir et puis qui tel fonctionner. Et puis d'après un contact que AFP te prend avec responsable haïtien et bien groupe Kenya yo ou bien contingent 200 policiers Kenya a bien pour arriver 23 mai 2024 dans pays d'Haïti ou sous VOA créole ou suivre programme dans langue créole haïtien. Ou toujours souvent ou à créole, ou à suivre un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi nous pour informer vous. Et qu'on y a, nous parlons d'actualité internationale là. Nous parlons de la région Moyen-Orient, côté que gain toujours gagné. Et actualité, eh bien, Israël fait que objection à annonce États-Unis fait pour deal la suspendre livraison Zambali si l'y menait vraiment opération dans Rafah. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous. Jean-Robert, média américain rapporté que Israël a réfléchi en pile devant pression que Washington a fait souler concernant opération, gros opération que le voulait mener dans Rafah. Alors effectivement, Jacques Ndia, c'est ambassadeur israélien aux États-Unis qui fait annonce, là, qui dit que Israël fait objection avec déclaration États-Unis fait pour dire la suspendre aux armes pour opérer sur la menée de bois.
Donc, je dis que d'abord, je connais gens que États-Unis supportent pendant la guerre et que pour eux-mêmes, c'est une surprise parce que pas d'attendre avec une déclaration pareille. Donc, guerre, en fait, cabinet guerre israélien, en fait, si vous ne réunissez déjà, vous avez pour réunir justement pour réévaluer le dossier, réévaluer la présence même dans Rafah, une façon pour vous dans qui mesure capable. Et plein États-Unis pour que les États-Unis ne prennent pas de décision, ils disent qu'il n'est pas bon pour eux. Dans ce qui semblait augmentation de pression dans la guerre Israël menée dans le territoire Gaza, l'administration Biden a suspendu temporairement la livraison d'armes pour Israël. Annonce a fait dans le moment qui a sauté sous plan nation hébraïque pour étendre l'opération militaire menée dans la ville Rafah, une décision que les États-Unis n'ont pas supportée. Mois avril passé, l'administration Biden a averti que les États-Unis ont supporté la guerre Israël à moins que les franchissent étapes concrètes pour protéger les civils. Avertissement ça a pas empêché Israël lancer une opération militaire dans la ville Rafah, partie sud territoire Gaza, à côté plus passé 8 millions de monde pour un refuge. Mercredi 8 mai, le ministre de la Défense états-unien Lord Austin a fait annoncer là. Currently reviewing some near-term security assistance shipments. In the context of the actuellement, unfolding events, actuellement, on a prévu une livraison assistance à court terme que n'a pas Israël dans le contexte dernier événement qui a passé dans la ville Rafah. C'est la première fois depuis l'attaque 7 octobre, militant Hamas a été lancé sur Israël, États-Unis mettaient en question une livraison d'armes là-bas Israël pour aider le gourmet avec militant Hamas. Le groupe d'Azumé, il y a longtemps, depuis, il a demandé États-Unis suspendre transférer les armes à Israël, il a accusé cap utilisé yo en violation avec loi humanitaire. Membre progressiste parti démocrate là dans le Congrès américain a accueilli suspension mais républicain yo tant que Lindsey Graham critiqué. You want to micromanage the war? You know, we dropped two atomic bombs. Les États-Unis ont lagué deux bombes atomiques sur Hiroshima avec Nagasaki au Japon après attaque Pearl Harbor. Est-ce que gen moun aux États-Unis ça te bail problème? Mais les Américains ont rapporté semblé Israël a réfléchi une opération l'a menée dans ville Rafah après annonce États-Unis. Pour une fois, États-Unis étaient considérés pour faire une pause sur livraison des armes, c'est les Israël étaient presque pris une décision sur Rafah, d'après une responsable replacée administration, étant donné que Israël pas pris en considération totalement souci États-Unis gagné, eh bien, administration a été décidé semaine passée à camper sous livraison des armes là-bas Israël. Joseph Philippe, VOA Creole, Washington. Et bien, après, toujours dans un dossier qui a rapport avec la guerre Israël-Hamas, il y a deux membres du Congrès américain qui devaient porter support par étudiants qui ont manifesté en faveur de Palestine dans Georgetown University après que la police a mis étudiants dehors dans le camp sous campus de l'école et ont été arrêtés plusieurs douzaines là-dedans. Valérie Saint-Louis, depuis New York. Hier mercredi 8 mai, deux membres du Congrès américain, qui sont deux démocrates progressistes, viennent porter support et mettaient tête ensemble avec un groupe étudiant université George Washington pour dénoncer l'action de la police là, qui était déblayé un camp étudiant qui était en battante sous campus universitaire et arrêté plusieurs douzaines manifestants pro-palestiniens. Sous marche escalier Capitole américain, député Cory Bush, ensemble avec représentant Rachida Tlaib, qui est première femme palestinienne américaine dans le Congrès, te prend la parole en faveur étudiants manifestants pro-palestiniens. Représentant démocrate État Missouri à député Cory Bush te dit students are protesting all across the country because they believe our government. Élèves ont protesté tout partout dans le pays parce que yo croient que gouvernement nous a échoué, mais ils pas reconnaître que tout le monde c'est humain. Il a protesté, manifesté parce que yo pas d'accord avec silence et complicité gouvernement nous a sous la mort au moins 35 000 Palestiniens. Yo protesté contre complicité gouvernement nous a dans un génocide, une crise humanitaire à grand groupe maladie avec l'autre souffrance. Représentant Rachida Tlaib, te prend microphone dans l'été lancé slogan. These students are saying save lives no matter faith or ethnicity. Gardez ça, élève ça yo a demandé pour sauver la vie, quelle que soit la foi ou soit ethnicité. Moi senti ça c'est un bagage que complètement ignoré. Pour que ça yo de yo là, c'est peut-être ça nous fier pour nous servir à position nous comme élu pour nous porter voix aller, pour nous toutes pas oublier pour qui ça gain cran attente et pour qui ça gain mouvement ça yo à travers pays ça. Kali c'est un élève dans George Washington University. I've watched my fellow students, my
my close friends. Mwen te wè kamarad etidyan mwen yo, zanmi proche mwen yo. La polis te flite yo a gaz. Yo te rache foula yi habyo nan kou yo, jete yo a te. Yo te mare men yo sou chèz roulant yo. Yo te frape tèt yo kont chèz bisiklet yo telman fòk ke lunèt yo krasé. Fòs polis yo ap fè sa, mwen sètèn se paske yo wè ke Rafa toujou pa ko envayi. Myriam li menm se yon elèv juif nan George Washington University. While our universities in DC have been subject to pendant que l'université nous yon en Washington DC, yon te sibi brutalité, pa gen yon sel université qui rete campé dans Gaza. Mouataz Salim, yon étudiant palestinien américain qui a vécu aux États-Unis depuis 10 l'année, li te prend la parole tout lui-même, el te dit. You shut down our encampment, sure. Well done. Ou fè mèk an nou an. Bon travay. Ou n'ya lise yon la kou ki pa gen anyen la dan. George Washington University, ou bien fè lui, président Hélène Gunberg. Ou fè bien pa vre, ou détruit yon bel espace communauté ki te bâti sous l'amour. Nou fè krasé kan nou yo ak violence, pa gen problème. N'ap retourné, mwen promet ou n'ap retourné pi red et n'ap wè libération Palestine. Mwen promet ou ça. Étudiant palestinien américain Mouataz Salim te dit que li perdu même famille yo dans la guerre dans Gaza. Li promet étudiant que l'ap retourné continue manifestation yo contre condition yo dans Gaza. Pendant à peu près des semaines nan kan yo sous campus George Washington University, ambiance était très tranquille. La police est débarquée hier mercredi a écrasé kan yo dans la nuit là. Et yo arrêté 33 étudiants. Administration George Washington University a averti étudiants yo que te doit suspendre continuer fait campement ak tenture sous la cour universitaire. Manifestants qui te porté pancarte qui dit libérer Palestine ak retirer men nou sous Rafah, yo te marché, yo t'al campé devant kay président universitaire madame Hélène Greenberg en dedans l'école là dans la veille dans mardi soir. Depuis date 18 avril, environ 2800 moun te joignent arrestation yo sous 50 différents campus universités. Yon chiffre qui basé sur rapport avec déclaration université ak agence qui fait respecter la loi dans pays a te bay pour VOA Creole. Valerio Saint-Louis. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours ici aux États-Unis, ancien président républicain Donald Trump t'est retourné jeudi encore dans tribunal dans cadre procès sous silence l'était acheté et dans cadre relation amoureuse bouboutage qu'elle t'a gagné avec Stormy Daniels qui c'est yon et vedette porno. Dans moment il t'a entré dans tribunal là, il t'a fait connaître que il prend un gros recours par rapport à interdiction pour lui qui pas constitutionnel pour pas dire rien sous témoin avec jury pour le kembe et silence li. Dans même occasion, il déclarait que attitude président Joe Biden vis-à-vis Israël c'est un scandale. Et lui même dit si un monde juif t'a voté pour Biden, c'est à pion honte. Li abandonné Israël, li fait un mauvais bagaille. Fondi que Stormy Daniels qui dans centre procès historique ça, t'est retourné tout dans tribunal après il était passé environ 5 heures mardi qui s'est passé là. Côté que il t'a fait un paquet de déclarations, un paquet de témoignages, un paquet de révélations sous relations sexuelles il t'a gagné avec ancien président et gain avocat ancien président qui dit que son fille tête n'est pas droite, son fille qui voulait à tout prix que ancien président allait dans prison. Et puis nous parlons Amérique latine, élection en valeur dans pays Mexique côté même prisonnier qui peut juger capable voter. Gentil Augustin Junior. Pour première fois, prisonnier qui peut juger dans prison Mexique, t'es voté dans l'élection avant l'air pour président, à hier mercredi 8 mai 2024 là, dans un centre détention, côté yo fermé. Nous juste espérer que yo respecte parole yo, plus que tout l'autre bagaille, pour la vie qui vient pi bon pour nous-mêmes ak fami nou yo. Prisonnier captain jugement ou soit condamnation yo, te commencé voter depuis lundi 6 mai 2024 là, dans élection présidentielle Mexique dans prison yo, yon première fois pour nation Amérique latine. Moi, message qui pi important, c'est di yo comme yon autorité électorale que nous reconnaît droit yo. Parce que yo c'est moun ki poko jige. Ça veut dire yo poko condamné. Qui donc? Yo toujours gen droit vote politique en vigueur yo. Boîte vote yo te déposé sous table dans auditorium nan yon prison garçon nan ville Mexique pou prisonnier yo te marqué ak lan ki pa ka efface pou montrer participation yo bien bonnet nan élection de jeyan. C'est moi importante garantirles que sou voto. Li très important pour nous garantir que vote yo jodi a. Personne pa pral konnen et puis yo pral compter ak secret. Même précaution ak res vote moun ki pa nan prison yo. Ça c'est yon matin historique. Pas seulement dans la ville Mexique, mais à travers le pays. Dans la même prison, messieurs, dans la ville Mexique,
354 dans 1862 prisonniers te joignent autorisation voter après un tribunal électoral te décidé dans l'année 2019 que prisonniers yo qui pas condamné yo gain droit voter. D'après gouvernement, à peu près 31 000 prisonniers dans pays a, environ 13% dans total là qui plus passé 230 000 prisonniers te rempli conditions pour voter. Institut électoral national Mexique là te déployé 81 bureaux vote dans prison Lio sorti lundi 6 mai pour arriver 13 mai 2024 là les votes avant les yo pral fini dans élection des gens yo mexicain yo pral gen pou eli yon président 128 sénateurs ak 500 députés gentil Augustin Junior VOA Creole Washington. Merci gentil Augustin Junior. N'a pral retourner dans pays d'Haïti côté que gon sujet qui dans centre actualité à ces questions canal là avec toute suspicion qui gagne avec rapport qui sorti et puis surtout avec inondation qui te gagne dernièrement là. Nous pral rejoindre correspondant nous Jodley Junior Saint-Ville qui lui-même et depuis lundi te fait un chute attendé sous question ça. La pluie cap tombé depuis week-end passé a s'arrêté presque sur tout pays a la cause rivière massacre descend ak en pile force ça li pas fait gros dégâts dans canal là sinon yon porte li décollé dans bassin rétention hein sans li pas représenter gros problème pour fonctionnement canal là selon ingénieur Loubens Gilles à Cléo Mendoville qui dit au fier pour travail yo fait pendant yo considérer ça qui passé a tant qu'yon test sur canal là et beaucoup de panneaux c'est déjà fier de travail non on est confiant dans le travail que nous faisons. J'ai une clé au relim, il dit ingénieur, mais il dit que il y a débordé et que le travail nous est caché. Donc puis je me suis plus proche et puis sous peu me retourner. Il m'a dit que son père est derrière là, il doit arriver sur la plateforme ça. Il doit monter à plus de 5 mètres de hauteur. Donc lorsque nous doit monter nous-mêmes comme ingénieurs, nous ne pas piquer du tout. Parce que nous sommes confiants dans le travail que nous faisons. C'est peut-être que riverain yo avec inquiétude pour que de l'eau a débordé sur le terrain naturel là qui était inquiet. Mais nous, de côté pas nous, c'était déjà OK. Donc encore une fois, de l'eau a monté, test l'en fait, c'est confirmé, mais nous, de côté pas nous, c'était déjà OK. Maintenant, nous avons fait calcul. Et là, nous avons prédimensionné l'ouvrage à contrainte massacre. Parce que massacre côté à peu près 400 à 500 mètres qui peuvent passer côté. Nous avons assuré nous bel et bien pour l'ouvrage nous-mêmes là, nous faire de résister à contre force massacre. Ça veut dire, c'est ça qu'on nous fait toute mise en œuvre d'un coup. Gabio Najo. Malgré test sous canal la réussi, selon des ingénieurs, Cléo Mendoville et Loubens Gilles, gagné yon menace quand même sous tête canal là, qui peut qu'on finit net. Et yon quoi, fini à travailler yon journée jodia, c'est yon urgence. Maintenant, yon inquiétude que nous avons partagé avec tout le monde, parce que c'est visible, c'est en amont là, vous regardez là, vous que nous avons fait déviation, hein, pour nous travailler dans l'imminent rivière là, qui est exactement en dans rivière là. En amont et en aval, on te cisé le terrain naturel là pour devoir te dévier. Mais à force que y a un problème, un problème moyen, on va finir faire travail là. Parce que doit monter, les traverser. Et comme si je regarde mieux de ce terrain que je fais là, il va comme ça de îles qui n'a mis dans la rivière là. Donc c'est seul inquiétude ça. C'est ça qui s'attend. Donc il y a nécessité pour nous finir avec lui. Non, voilà, c'est une obligation même. Déjà, ingénieur a annoncé travail pour le reprendre. Oui, super, aussitôt que rivière la descente, c'est sur certains comités. Nous-mêmes, comme ingénieurs, nous sommes déjà disposés, disponibles. Dans ce comité qui va mettre matériel et matériel à disponibilité nous pour nous avancer. Jodley Junior Saint-Ville, Debbie Wanamet, au VOA Creole. Merci Jodley, il y a l'autre aspect encore sous dossier ça que n'ap gen pour n'aborder donc n'ap gen pour nous retrouver encore Jodley Junior Saint-Ville toujours sous question ça. Nous pratiquement arrivé là fin programme non, mes amis hier les concerts c'était tête chargée. Me pense à Robertson Alphonse nèg qui remet Real Madrid jusqu'au fait mal. Hier c'est un gros match fifé parce que les matchs a presque fini nous Real Madrid pas trop loin vous le dit et puis finalement gen moun qui dit expérience grand moun nan c'est notre tête là a parlé de Carlo Ancelotti qui a entraîné Real Madrid, donc Real Madrid qualifié pour et final là, c'est à Dublin le 1er juin, la gain pour jouer contre Borussia Dortmund, donc c'est l'Espagne contre l'Allemagne dans une finale qui promet en pile bien que Real Madrid avec Bayern de Munich est en finale avant la lettre. Mes amis, merci d'être nous avons choisi VOA Creole pour informer vous. Merci pour attention nous, merci pour fidélité nous et puis un gros merci à toute équipe et solide là en parlant de Nelson, de Jean-Marc Hervé Abella et puis de gentil Augustin Junior. Moi c'est Jacques Lemelizer. Bonsoir et à demain. Les forces à venir, les gros opérations qui ont fait dans le quartier gang pour nous faire victimes dans la place. Nous devons être très prudents.
zami internaute, nous même qui gè fami nous, zami nous qui dans pays d'Haïti, parler ak yo pou yo pa al pran nan foot maltay sa. Blas Peterson, mauvais la on yo dans tout sens. Nan international là. Mauvais la on yo dans tout sens. Yon ti garçon qui relé Brian Boye, li fèt nan pays d'Haïti, li rentré aux États-Unis année qui se passé ya. Dame qui adopté la relé Patricia cet hiver, eh ben li entre 36 l'année lui-même. Li entre ti garçon hein? La sapatale batli pou kounya autorité américaine yo déjà arrêté Patricia pour la répondre question pour qui ça l'a maltraité si adolescence si là qu'elle t'est adopté pour te faire rentrer aux États-Unis après fausse famille t'es fin mouri dans pays d'Haïti blesse personne. A dire ouais situation dans pays d'Haïti il est grave en pile il go pas quelques conséquences tout de l'autre monde en dedans pays a par rapport avec Simonio qui a perdu maman yo même genre avec policier ça qui mouri aye les personnes li mouri ki ton petit ou pa konnen ki es ki pral fè adoption pou ti moun nan ki kantite mizè ke ti moun nan pral pase tout sa yo se rezon instabilité ak insécurité ki blay an dedan peyi a les Peterson tan pou dil monsieur Damien nan conseil présidentiel la yo kontinye a fè jwèt kokin vèt net dam yo antan yo pou y a fè jwèt net dam yo ou tande sa te nan parmi quatre moun ki te candidat pou devenir président conseil la et le autant de c'est en question président tournante. C'est yon allé, yon tourné, yon allé, yon tourné. Pour n'y avoir l'espèce de pays à risquer de faire face avec quatre cabinets ministériels. Pour chaque nègre son cabinet président, yon a dit qu'il y a besoin de cabinet ministériel. Ou quoi son dit à des idées arrivées faites lui? Non, mais c'est tant de. N'y a pas de coquin avec mesdames qui n'y a pas fait. N'y a arrangé chaque groupe, yon vient goûter. Et non, vient goûter, c'est la vie pépahitien qui connaît des situations très difficiles. Ensemble, pour ça, yon. À divers lots pour aller faire essentiel parler pour changement pour mettre en jeunesse des personnes. Même à ajouter des images dans la question ça et ça c'est vrai je dis hein et nous saisis bon nous pas étonné de saisir non les que nous apprenons que résident dominicain Luis Abinadel monsieur déclaré monsieur dit c'est Ariel Henry même l'a été premier ministre qui t'a dit pour le faire gros pression à l'armée dominicaine, sous monde qui t'a construit Kanawana maintenant, et puis fermer frontières ces domaines à Haïti, pour Kanawana maintenant t'es capable de camper. Selon ça, un journal dominicain, qui est Asendo.com, lui-même dit, et de ça que Luis Abinadel lui-même lui dit. Ariel Henry, même, qui t'a demandé avec Luis Abinadel, fermer frontières, elle lui demandé que l'armée dominicaine pour faire pression sur mon oui. Et puis Ariel comme gros quête comme gros conseil que t'ayé et puis il t'a fait figure bien cherche à faire gel bien sèche lui sur tribune Nations Unies à parler de canal si patati patata et puis ouais qui bon égaré qui bon imbécile t'a pas applaudi Ariel Henry ou qui fait gros déclaration qui montre que il pas appelé Luis Abinadel dans question canal et pourtant c'était coquet madame Ariel t'a fait. Ah bah je tiens tout le monde derrière dans la rue. Ah bah je tiens Luis Abinadel va vérité hein. Et puis m'tendé on est en corporation chez Jean-Baptiste, alias Mohamed Dem, a vinn dit oh Ariel côté là va sentir bien, Ariel besoin entrer dans la paix. Qui va la rentrer là? Nous pas prendre quatre concerne dans pays encore. Nous pas prendre quatre concerne dans pays hein. Et au monde qui connaît là où c'est bien c'est conse, même tout dit ça. Ouais peuple ça depuis flanco de flanco de honnête. Depuis flanco de flanco de honnête, tout était dehors. Parce que nous pas décidé de servir avec conseil tête en compte dans pays. Et ça fait bon conseil ça au cap faire affaire par là. Et qui au lieu que gérer les affaires insécurité, les affaires gang ou les affaires misère peuple là, il y a gérer bagaille portio, ça veut dire font petit coûte, mais qui t'a baptisé? Qui t'a baptisé, qui t'a rancé, qui t'a fait toute tête yo, fait compte dans ces affaires et puis pam les a passé sur yo, mon mouri et puis y a bagaille, pas dit rien. Pas dit rien. Et dit fait prendre commencer prendre quand diable. Ah oui, dit fait qu'elle commence pendant quand diable désir. Imagine on regarde une petite vidéo côté que moi la moi 100 jours, par contre sur elle désir. Qu'elle oui, moi dans toute quoi des bouquets. Bon, pas connaissait toute quoi des bouquets, mais quand il a passé Thomas au grand c'est ça lié. Là-bas on dernier regard. Yeah, avec équipement nek avec gros âme, équipement si jeune même j'avais avec des évidences. Équipement jeune même j'avais. Si ou nek yo, gros âme nan men yo, a marché dans toute la rue, il y a pas et comment la moi 100 jours sécurité. Pour diable si malé malé reste cap 20 sur 3 yo bon il pas gagne le choix résigner parce que mais là est-ce que va pas dire va pas faire rien si on du bagaille ou si monsieur font bagaille et pour l'amour yo obligé résigner yo et ben ou tendez
la mort sans jour qu'a parlé qu'a dit oh li mande moun yo tourner la caillou au moun Tomaso et comme si il mande pour tourner la caillou nous et mais fait quête yo signé quête qui vini et vous comprendre et li tande que mission qu'a vini des soldats qu'a vini même Jean Isodilan yo tué trois haïtiens qu'il a tué étranger li qui t'ont commencé à ranger avec plusieurs coq mort puis balle de trois morts pour préparer poudre pour le tuer menti pression il est intimidé. Les situation, en sérieux. Pour que tu te moun ça au touyé. Et vous pensez c'est quoi mon nèg t'a demandé moi pour te préparer pour. Pour quand tu te moun nèg a touyé a qui te chamaille. Non ça est cadavre dans mais quand tu te moun yo kidnappé, tellement ou maltraité moun yo pas jeune manger, moun yo pas jeune de l'eau, la faim avec soif touyé yo. Yo t'a servi avec pour faire pour c'est Pérez. Ouais tout ça c'est émotion. Tant que gamou yo t'a ka dire parole ça c'est moun danini. Tout nègre se mouri ou pral mouri, c'est dans la prison ou pral aller blesser personne. C'est ça qui fait que peuple haïtien, désir prend responsabilité pendant l'hier d'espoir ça a avancé sur yon. Désir, annonce avec examinons avant que Marie n'en aille avec Kilito et puis Clunède. Très bien, blesser personne. Nous saluons Janine Petit Homme qui est en premier lieu, qui pratiquement toujours suivent l'émission. Nous disons merci pour écouter, pour fidélité. Nous saluons Marie Jasmine qui est par nous mettre chaud, qui est toujours avec nous. Nous saluons Roselaine Metellus qui est toujours avec nous. Nous disons merci en pile. Merci Roselaine Metellus. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons et Sémilien Lady. Merci Sémilien Lady. Ça fait nous grand plaisir. Nous saluons Immaculée Lafleur qui est toujours avec nous. Nous disons grand merci pour écouter, pour fidélité. À travers show nous yo, sous mes sacs nouvelles, Blaise Info, pour une nouvelle. Et votre Calbas Info. Nous saluons Elino TV qui est toujours avec nous. Nous disons merci en pile. Mimoso Jean-Charles. Merci en pile. Nous saluons Lina Pierre, lui, qui est toujours avec nous. Nous disons grand merci pour écouter, pour fidélité. Nous saluons Astrélie Jean qui est toujours avec nous. Nous disons merci en pile pour écouter. Merci pour fidélité à travers émission nous yo, mes sacs nouvelles, Blaise Info, pour une nouvelle. Nous saluons tout user yo, en général qui toujours branché chez nous, nous disons merci en pile. Nous saluons Moïse Joseph qui toujours avec nous et nous saluons même il toujours dit toujours dans jouer lui même. Nous saluons Moïse Joseph, merci parce que vous faites partie du monde qui gagne acteur de nous. Nous saluons Moïse va pas jouer. Moïse va pas jouer. Par contre, qui problème Moïse, est-ce qu'il perd du fait mais toujours à jouer. Nous saluons lui, nous saluons lui jusqu'à ce qu'il arrive calmer lui même. Oui, mais c'est malade du jour vous sous lui. Nous pas connait dans quel hôpital qui guéri monde qui a joué en pile, qui a fait toute journée, mais nous souhaitons Moïse lui arriver guéri lui même pour suspend jouer Blaise Peterson. N'a pas poursuivre avec salutations Claudette Sylvestin. Merci en pile Claudette pour écouter à fidélité. Nous saluons Edline lui qui toujours branché tout les situations. Nous disons merci en pile pour écouter pour fidélité. Jenny Baptiste qui branché tout. Nous disons merci en pile. Nous saluons Police Kagari. Merci en pile pour écouter pour fidélité. Nous content parce que vous faites voyage avec nous. Nous saluons Clovis Desormes qui toujours avec nous tout les situations. Nous disons merci en pile parce que toujours garder émission nous. Ça fait nous grand plaisir chaque fois nous faut que Dieu nous ouais qu'elle toujours avec nous. Nous saluons Jean-Di Lafleur qui toujours avec nous. Merci Jean-Di Lafleur. Ça fait nous grand plaisir. Marie Nosifon, c'est mon panneau qui passe avec nous. Marisana Xavier qui toujours à contour, nous saluer, nous disons merci en pile. Nous saluer Chris Meyer Edmond, merci en pile pour écouter, pour fidélité. Nous comptons chaque fois nous font coudier, nous voyons que vous avec nous. Fendi Charles, merci pour écouter. J'adore Oven, merci pour écouter, merci pour fidélité. Participation dans quatre émissions nous sommes sur nouvelle des infos pour une nouvelle votre Calbas Info Racine Nouvelle Haïti dans quel que soit state, dans quel que soit pays, dans quel que soit continent que vous avez gardé, pas oublier dans commentaire yo écrit, dis nous qui côté vous gardé nous, qui impact émission nous fait la carrière et comment comprendre le problème qui a passé en dedans pays à les personnes. Désir Menes, nous allons venir avec Kelito, Jean Détien, et puis après ça, nous allons avec Clonel et Antoine. Mettez sous point que nous annoncé là, que nous allons faire débat sur yo. Après que nous allons faire collaborer parce qu'il est vraiment important pour que nous soyons capables de garder avec M. Sayo pour qu'on ait comment ça y est dans la rien assemblée. La vie commence à reprendre. Et sérieusement, depuis le côté là, la vie commence à reprendre. Parce que nous avons toujours dit ça nous-mêmes. Nous pour que la vie reprenne en deux pays. Ah oui, nous pour que la vie reprenne en un pays. Et ceci dit, quel que soit côté en un pays, ou doué d'accord que pour que la vie reprenne. Gardez route Matissan Fontamara qui bloqué pendant plus que 3-4 ans. Gardez rentre nos pays qui bloqué depuis plus de 3-4 l'année. Gardez depuis 29 février, ça que capitale haïtienne a connu là.
sur la capitale haïtienne qui sentit cadavre, qui sentit moun mouri. Gardez zone Delma et Anti, Mon Safari, zone Pio Kafa au port, zone Delma 24, zone sa sentit cadavre moun mouri. Donc je dis, hein, nous pas d'accord que pays a continué à effondrer en ce comme ça. Gardez comment deux prisons, deux pigots prisons que nous avons dans le pays, qui c'est pénitentiaire national, avec la prison civile, quoi, des bouquets, ils ont crasé, je dis, hein, presque 5000 prisonniers dans la rue. De grands criminels notoires qui dans la rue je tiens là et nek sa yo yo pral renforcer sécurité dans pays nek sa pral renforcer zak violence en dans pays alors pensez que je dis intérêt chaque haïtien quel que soit en dans pays quel que soit dans diaspora ou t'as toujours aimé que la peine dans pays ou pour que la peine dans pays ou pour que la vie reprenne dans pays. Si moun pa ka l'école, an yon pa ka fait an nan peyen, business a bloqué, avion pa volé, bateau pa entré, ça veut dire, je tiens, nous avons un pays qui a connu une crise dans toutes dimensions et, sans jamais moun yo tiens, pluridimensionnelle. Nous pa gen classe politique qui vraiment, qui respecte, mais qui travaille dans l'intérêt peuple haïtien. Nous pa gen san relé, hein, un secteur économique qui a travaillé dans l'intérêt peuple haïtien. Parce que, en pile, le monde qui est dans le secteur économique, ça, yo même en soi, yo impliqué dans déstabiliser le pays, dans créer insécurité dans le pays. Vous avez regardé 11 ans midi, est-ce que nous avons avec le monde qui est pour clair, qui a fait mission dans le pays? Au contraire, si le monde sait, avec le dette, c'est ma trop. Et sous la mission, nous oublions, vous avez toujours dit. Nous toujours dit que, dans tout pays sérieux, l'équipe d'a pas prendre à l'université. Yo t'ai toujours dit que l'État a accepté privé avec investisseurs nationaux ou internationaux. Mais doit investir dans le pays, ça n'a créé de job, n'a créé emploi. Ok, parce que secteur privé sont gros mots sociaux. États-Unis, Canada, la France. Et pas l'État qui fait tout investissement dans le pays, ça yo. Gen de grands milliardaires, de grands millionnaires qui fait des investissements dans deux pays, ça yo. Mais sous contrôle l'État, l'État accompagne yo, l'État crée stabilité. Mais le regarde Haïti, majorité moun qui dans le secteur privé, yo, yo plus contribuer dans le pays. Yo. Parce que c'est au qui port et au qui accès aux forces douanières. Dans le rapport des Nations Unies, yo, yo te cite non un groupe goto en dans secteur privé hein yo dit qui gè contrôle douane port et puis k'ap fè et conteneur marchandise entrant dans pays hein k'ap paye bandi pour ne pas contre pas attaquer et marchandise yo et pas m'te dit et pas m'te dit non et mais kounya blaise yeah kounya on regarde on est k'ap fè business dans pays d'Haïti dans un pays a là pour qui ça un groupe moun k'ap pénaliser si moun a décidé bandi yo mette poste péage que tout moun paye là dans li paye pour marchandise y passer. Exactement. C'est sécurité. C'est l'État qui n'a pas de sécurité. Moun n'a pas fait business. Clair. Parce que moun n'a payé taxes pour business qui a fonctionné dans le pays. Exact. Malheureusement, la police qui t'a pour garantir sécurité, pour qu'elle vaquer avec activité, n'est pas capable. Mm-hmm. Bon groupe nègre que l'État a servi avec et on frange dans le secteur privé des affaires là, servi avec également pour simuler la troublage, pour créer concurrence déloyale en dedans pays en des personnes. N'est pas qui estime. Quel paquet distribuer ça pour le capacité de payer l'argent pour visiter pour commercer traverser qui problème qui gagne dans ça si Nations Unies décide ba moun sa sanction à moins que il t'a fini avec des preuves pour montrer des près et de loin que moun sa yo impliqué directement dans financer gang financer gang c'est pas parce que yo paye pour traverser sur route bon c'est l'État qui la pour garantir sécurité pour permettre que tu traverser l'État pas faire bandi yo tabli quartier général yo pratiquement prend place l'État. Bah, si c'est pour ça, c'est pour payer pour traverser YouTube les personnes. Ce bagage qui n'a sens, qui n'a pas sens du tout. Kelito, mm-hmm. Comment est-ce que vous faites? Et comment ça y est, national numéro 1 sorti de zone Douya, faire jusqu'à et passer bon CNE, bon station Gonaïve? Comment ça y est dans le niveau et Badelma? Et quand vous passez, est-ce que tout bagage en forme? Est-ce que vraiment que la vie a reprendre en dedans côté ça y est? Tim salut Blaise, tim salut des Venes, tim salut chaque grand monde avec qui déjà branché dans sa nouvelle Blaise personne. Maintenant, avant même nous aller sur parcours, nous sommes entrés dans un port là, nous t'avions visité parce que depuis semaine passée, il y a des informations qui ont sécurisé.